S'assurer de rester sur le podium. Voici la dernière que nous allons suivre, Yulia Lodjeko, la Russe. Qui ne devrait pas inquiéter l'Italienne. Note de départ où il y a 15. Voilà, saut en renversement avant, salto avant carpé. Un grand pas à la réception. Ouais. Oui, le sourire sur le visage de l'Italienne. Elle a compris. Et une nouvelle médaille d'or pour l'Italie, très probablement dans quelques instants. Oui, il n'y aura pas de miracle pour... Non, ça va être dur. Lodjeko. Note de départ à 15. Et note d'arrivée qui devrait être aux alentours de 14-2, 14-3 à mon avis. À moins qu'elle nous crée une sacrée surprise pour son deuxième saut, mais ça m'étonnerait. Oui, on va très très vite quitter Amsterdam pour prendre la direction d'Assen. On va rester aux Pays-Bas, mais on va suivre tout de même le deuxième saut de cette demoiselle. Avec la note qui tarde un petit peu à venir. Oui, 14-250. Et la médaille d'or, c'est une certitude, sera pour Carlotta Giovannini. On va tout de même regarder juste le dernier saut de Lodjeko qui ne devrait pas bouleverser l'ordre. Note de départ 15-50. Et un Jurchenko, voilà, et un plat, un pas à la réception. Voilà. Donc,